Et je suis venu de donner mon point de vue par rapport de Marias, Monsieur Tamba et notre sœur Nene Umu Hawaba, qui a censé son nom Esther à cause de son mariage. Je suis venu de donner mon point de vue et avec la situation de la Guinée. Tu sais, je vais parler à la langue nationale aujourd'hui. Je vais commencer seulement en français. Je vais commencer en français, mais je vais expliquer un peu la langue Peul, la langue Malinké, la langue Soussou. Trois langues nationales guinéennes. Je vais donner mon point de vue. Parce que les gens ne comprennent pas, la émotion et la réalité, c'est totalement différent. Quand nous sommes dans l'émotion, ça c'est autre chose. Quand on parle de la réalité, la loi fondamentale de notre pays, ça c'est autre chose. Je vais vous mettre à la connaissance d'abord. La Guinée, c'est un pays laïque. République de Guinée, c'est République des laïcs. République de Guinée, c'est un pays laïque. La Guinée, ce n'est pas une république islamique. La Guinée, ce n'est pas un pays musulman. Il y a des musulmans en Guinée. Majoritairement, c'est les musulmans qui sont majorité en Guinée. Mais la Guinée, ce n'est pas un pays musulman. Les charia, là, ont appliqué les charia là où il y a des républiques islamiques. On peut appliquer de la loi musulmane dans ce pays. Mais la loi, les pays laïcs ont appliqué les codes civils. Dans les pays laïcs, ces codes civils qui ont fonctionné, c'est un état civil qui prend les décisions. L'état civil ne connaît pas si tu es musulman, tu es chrétien, tu es pauvre, tu es riche, ou bien ton pot de couleur, ou bien ton appartenant politique, ou bien ton appartenant religieux. État civil va si c'est chaque citoyen en tant qu'un citoyen dans le même pied égalité. État civil de la Guinée. Il y a des gens qui disent que M. Tamba ne doit pas se marier avec Nene Umuhawaba. Parce que Tamba, il est chrétien. Nene Umuhawaba, elle est musulmane. Elle est venue dans une famille musulmane. Il y a une confusion dans ça. Avant de donner mon point de vue, je vais vous rappeler d'abord, M. Zamari Doré, que tout le monde le connaît, il est homme public, il est homme politique de la Guinée, paix à son âme. Zamari Doré, la femme de Zamari Doré, c'est une femme Peul, elle est musulmane. Je ne sais pas, elle est de Pita ou elle est de Dalaba, c'est nos enfants, mais à clarifier après. Zamari Doré s'est mariée avec une femme musulmane. Mais pourquoi vous n'avez pas opposé en ce moment, vous n'avez pas opposé que Zamari Doré ne doit pas se marier avec une femme musulmane? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Moussa Dadis Camara. La maman de Moussa Dadis Camara, elle est musulmane. Le papa de Moussa Dadis Camara, elle est chrétienne. Pourquoi les gens n'ont pas opposé que le papa de Moussa Dadis Camara ne doit pas se marier avec une femme musulmane? Je vais vous expliquer et je vais vous demander ça. Vous devrez me donner les raisonnements. Combien de femmes musulmanes en Guinée ils se marient avec des hommes chrétiens? Donc, c'est un manque de respect à l'égard de Bamba et Tamba. C'est un manque de respect, c'est une discrimination à l'égard de Tamba. Normalement, dans les conditions normales, une musulmane, quand nous parlons la religion musulmane, quand nous parlons la religion musulmane, une femme musulmane ne doit pas se marier avec un homme chrétien en tant que s'il n'a pas renoncé sa religion
un chrétien, s'il n'a pas rentré dans le musulman, dans la religion musulmane, une femme musulmane ne doit pas se marier avec une femme chrétienne. Ça, c'est le cas de religion. Mais la loi fondamentale de la Guinée, la loi constitutionnelle de la Guinée, donc, tu peux te marier avec une femme musulmane, tu peux te marier avec une femme chrétienne, peu importe, dans l'état civil de la Guinée. Maintenant, notre constitution guinéenne a dit, si la famille de Nene Umuhawaba s'est opposée, que Tamba ne doit pas se marier avec Nene Umuhawa à cause de la religion de Tamba, Tamba a des droits. Il peut porter, je n'ai pas dit Tamba va porter plainte, je n'ai pas dit ça. Tamba peut porter plainte contre la famille de Nene Umuhawaba. Pour la cause de quoi? À cause de ségrégation, à cause de sa religion. Parce que la loi a dit, Tamba, pleinement Tamba a plein de droits. A plein de droits, se marier avec Nene Umuhawaba. Peu importe s'il a censé son religion ou bien n'a pas censé son religion. Une fois qu'ils sont partis dans les communes, dans un état civil, dans un bureau de communes, le maire a une obligation de faire la célébration de mariage entre les deux couples. Si Tamba n'a pas obligé la femme, si la femme n'a pas obligé Tamba, si son âge majeur, ils ont plus de 18 ans, la famille est d'accord ou pas, il peut se marier. Ça, c'est la loi guinéenne qui a dit. Ce n'est pas la loi religion. Je ne parle pas. La religion musulmane, c'est autre chose. La religion musulmane, c'est autre chose. La loi guinéenne a dit qu'on ne peut pas ségréguer quelqu'un à cause de sa religion. On ne peut pas ségréguer quelqu'un à cause de son origine ethnique. On ne peut pas ségréguer quelqu'un à cause de son appartenance politique. On ne peut pas ségréguer quelqu'un à cause de son opinion, son liberté de penser. On ne peut pas ségréguer quelqu'un à cause de son état physique. On ne peut pas ségréguer quelqu'un à cause de son statut de vie parce qu'il est pauvre ou bien il est riche. On ne peut pas ségréguer quelqu'un à cause de son origine, le village là, d'où vient ce village-là. Ou bien les gens qui vont dire, telle personne c'est esclave, telle personne c'est peu, c'est la noblesse avec l'esclavitude. L'état civil, la loi fondamentale de la Guinée a totalement interdit ça. La loi guinéenne. Je n'ai pas dit la religion, je parle la loi guinéenne. Il faut que vous compreniez très bien. Tamba peut se marier n'importe quelle fille de la Guinée. N'importe quelle fille de la Guinée peut se marier n'importe quel homme de la Guinée. Même si, par exemple, Elazi Mamadou Saliou Camara, c'est lui qui est notre premier imam de grande mosquée de Faisal aujourd'hui. Si Elazi Mamadou Saliou Camara, par exemple, la fille de Elazi Mamadou Saliou Camara tombée amoureuse à un chrétien. Elazi Mamadou Saliou Camara, papa Elazi Mamadou Saliou Camara, si la fille de Elazi Mamadou Saliou Camara s'est tombée amoureuse avec un homme chrétien, ce homme chrétien s'est tombé amoureuse de la fille de Elazi Mamadou Saliou Camara aujourd'hui. Si Elazi Mamadou Saliou Camara a conseillé sa fille dans la maison, il a sensibilisé sa fille pour qu'elle renonce ses mariages. Si la fille est d'accord dans la maison, la fille a dit le homme là, non, je ne veux plus de toi. Il ne peut pas se marier parce que le homme là n'a pas le droit d'obliger une femme pour une mariage forcée, c'est interdit. Mais si Elazi Mamadou Saliou Camara n'a pas arrivé à maîtriser sa fille dans la maison. Jusqu'à ils sont sortis dehors, l'État a eu la connaissance avec ça. Si ils voulaient célébrer leur mariage, Elazi Mamadou Saliou Camara veut ou pas, obligatoirement il va se marier avec la fille d'Elazi Mamadou Saliou Camara. Alors que c'est lui qui est notre premier imam de grande mosquée de Faisal. Ce n'est pas question de croissance ou bien n'a pas croyant. C'est la loi qui a dit. C'est la loi qui a dit, la loi est très claire. Maintenant, la fille Nene Umuhawaba, si la famille de Nene Umuhawaba n'est pas d'accord avec la mariage de Tamba, M. Tamba, avant que la fille sorte dans la maison de la famille, si la famille a sensibilisé Nene Umuhawaba,
Ici, ils sont sensibilisés très bien. Nene Umuhawa, il était d'accord avec la famille. La fille peut dire, ah Tamba, je ne suis pas amoureuse de toi. Tamba n'a aucun droit d'obliger la dame. Nene Umuhawa ba. Mais comme si la fille n'a pas écouté à la famille n'a aucun droit d'imposer que Tamba ne peut pas se marier avec Nene Umuhawa ba. Sinon, il peut, et Tamba peut porter plainte contre la famille pour la ségrégation. Pour la ségrégation. C'est la loi qui a dit. Je ne suis pas un juriste, mais les juristes sont là. La loi est très claire pour les deux. Donc, il faut que les gens comprennent très bien. Moi, j'ai des filles. J'ai des enfants ici. Je sais combien de fois ça a coûté éduquer mes enfants. Je sais combien de fois ça a coûté pour avoir un enfant, pour maîtriser. Je suis musulman, père et mère, tous mes descendants, côté paternel et côté maternel, nous sommes musulmans, je suis croyant. Mais si je sensibilisais ma fille dans la maison, si elle m'a écouté, dans le mariage, je vais les conseiller à qui il peut se marier, à qui il ne peut pas se marier. Mais je n'ai pas de droit d'obliger ma fille de donner au mariage parce que ça devenait des dictatures. Je ne peux pas prendre, je ne peux pas choisir quel homme qui va se marier avec ma fille. Et quelle personne va se marier avec ma fille parce que je vais devenir dictateur. Si vous voulez vous envoyer des têtes mortes, si vous voulez vous envoyer des guerres, si vous voulez faire ce que vous voulez, ça va vous choquer, mais la vérité est bonne à dire. Je m'en fous. Ce que vous allez écouter, moi je donne mon point de vue et la réalité. Il faut que la Guinée on quitte dans les émotions. Il faut qu'on quitte dans cette émotion. La Guinée, ce n'est pas un pays musulman. Nous sommes des musulmans, nous sommes croyants. Mais la Guinée, ce n'est pas un pays musulman, c'est un pays laïque. La laïcité, il faut que tout le monde comprenne quelle est la signification de la laïcité d'un pays. Il faut qu'on respecte la loi fondamentale de la Guinée et la règle de notre pays. C'est ça la vérité. Donc, je vais parler en peul, après en soussou, après en malingue. Diama la Guinée. Moussi dal et tol. Et tol dal. Comme djuldo, comme bibbe djuldo, djurolo en faux comme djulbe. Yonanu nanito. Si me inni dina l'islam. Dina l'islam. Oui. Debo djuldo wa wata djom bindir de ek. Et debo kefer yo. Tanki o touba ki onata dina l'islam. Si me yewti e dina l'islam. Debo djuldo djom bindir take. Et gorko kefer de tanki o touba naki on a dakal dina l'islam si de touba ni mo on a tika l'islam ko ontuma o wawa jombo de debbo djuldo kono sitay dun don wadaka o touba ki wawa ta jombo de debbo djuldo kefer wawa ta jombo de ube chrétien de wawa ta jombo de bandirawo amembe sitay o touba naka ko dun don dina l'islam ubiya. La Guinée, on a l'aide islamique. Ce n'est pas un pays islamique. La Guinée, c'est l'aide laïque. Ce n'est pas une république islamique. La Guinée, on a une république islamique. Majoritairement, il y a la Guinée comme un djulbe. Majoritairement, quand on l'a dit à même, on a dit, on a Saria, on a réuni de Saria islamique, on a appliqué des camédes. C'est-à-dire que Saria, on a appliqué des camédes, si Godo a dit Zinano, à taille de ferraille Mokadi, si Godo a dit no bétaille Mudungo, on a fait un peu de la loi des camédes, parce qu'on a l'aide islamique, mais on a une femme ou femme. Quand femme on jabi on jabal ko dum do woni gonga sariya din al islam bi su goddo wadi zina
Si Godo wadi zina, ou wadi infidélité, et modi mako ou bien bengu mako, imodiomba, koyo men dieto kadia men fera moha, men asak ngay kame okamoto ha, 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 ka heuti, ka keji mako di, men fera mo, men buga mo kadia ha o maya no. Kono eske dundo no wadde kamede. Kono imbe jelu wona e wadde infidélité kamede, imbe wona e jelu wona e wadde zina kamede. Fi hondo be wadaldo, parce que on a l'aide islamique me woni. Laïgne, on a l'aide islamique. Zina, djelou, on a y wadde to. Infidélité, djelou, on a y wadde to. Nous, donc, go. Didi, imbebe wudjatako. Est-ce que Godo notaji djungu Godo, fi saria? Parce que ça applique saria dina islam. Ko ben notta yeso be dina be. Et yeso be saria be be djoda be yina. Djoni be mentaji djungu obe me wadani. On a angataja djungu. On dit parce que il a mon ami mon adon do woni saria. Est-ce que don don wadde kamede? Allah wadde kamede. Joni non. La Guinée majoritairement comme djulbe. Kono non dine saria la Guinée, saria la Guinée, saria état civil la Guinée, oui. Mais wawata inu de ko do djombe de takki ko odo. Kono no dina l'islam ko hondo wi o indi o zaniyat o zani fajilduhunna mi'at jaldat o zaniyat o zaniyat la yankihuna illa jani aw musrikat ko dundo si goddo jombaka si goddo jombaka o wadi zina o wadi lembe zina ko ya piumo sawru temet woni debbo woni ko o ondon debbo mojombaka ube ogor ko mojombaka be wadi zina o wawata jombu de goddo si ona sirik am sirkat o si ona aden filan kafujo est ce que fami woni de boni gorko kono dundo est ce que dundo no applique de kamene awa ite emotion yahe logique sarbi yallagine wiya etat civil. Et je ne sais pas si l'islam. Dina l'islam, l'état civil, la constitution de la Guinée, oui. Il y a un règlement intérieur de la Guinée. Il y a oui. Ou il y a une discrimination de quelqu'un. Il y a un goto. Il y a un salam de Odo. Ou il y a un bidon parce qu'on a un dina goto. Ou bien parce qu'on a un led goto. Ou bien parce qu'on a un kasari goto. Parce qu'on a un hala goto. Ou bien parce qu'on a un midio di goto. Ou bien parce que on a parti goto me woni awawata innu de odo jombata bitoma e fo uno fotana e yesu saria awoni lando awoni aden citoyen normal e banduma nduna timmi ba timmale ba ka aden bofo yoba ka bofo yoba e danawde ba nawnak banka amar gandal gan amara gandal ba abe wawata indu de sabu eta fisiku ma yesugo dondo o wawata jombu de karijo dundo no tongana no hirsana ka sariaji lagini goddo si biddo mako ko payiku hebal dubi sapo e jetati si biddo ma hebal dubi sapo e jetati awawa jettu de decision biddo ma lagina saria lagine ko wiyako biddo ma hebal dubi sapo e jetati ko am baba woni responsable ko adjecta e decision biddo ma ko hombo ko honto yahata ko hondo mo handa wadde parce que ko pay ko a partir de ko hebi dubi sapo e jetati si ayewti biddo ma kasudu wonananima alhamdulillah rabbil alamin si biddo ma nananalima an ala droit innugol o biddo wan jiwo ube gorko jombindirta ke karijo o jombindirta ke karijo wawata wonde si goddo si tayo ko chrétien de ube keferojo jombi biddo ma no fala jombu de biddo ma woni jiwo an nga jabi a jabal si biddo ma jabanali ma ko sudu be yalti ka yasi si be yahi ka commune an nga ala droit imposude o be jombindirta ke si onado on gorko do jogi droit portugol ma plenti e hore ma be sokama fi hondo parce que hida wadde dictateur yagal hida wadde ségrégation discrimination e on gorko innama parce que sabu ka dina ko marko ube leji ko woni ko ali ko sabu dundo hida wide o wata jombindirde benguma sariya lagine no tunga dundo no hirsana mujabi mujabali
Si tamba hande ni de bon hana ka sansu de inde makko be inda ko Esther fi bayir mawbe makko be jabanali mo o inda bayir si awadi dum do me harmi nima tamba suuda naki de bon parce que nene de bon mi jenti video makko nene de bon wi on toujours ha o be yewte ka telephone si o laddi ke ko honto woni o inni mi do ko no de o de bon jabali wolande nene makko ko honto woni ka de suudu do wa sansa numéro makko sansa piji di fo fi won no jiwon sansa le numéro makko fi won do mo yewtude biro makko cela veut dire o soudake ko woni to bayre nene makko jabanali mo dewgal ko fala ko dewgal mo yidi ko ko sabu dum do o dir o pot o dir ni mawbe makko be o poti mawbe makko be e espation ko no psychologiquement o tadali endane mabbe parce que mo jogi telephone contacter mabbe ka telephone joni no nene mabbe jabi be jabale tamba wawa jombu demo si tawi be dumanni hay no kungo si tamba no wawi porte de plainte e hore mawbe jiwo o fi segregation o him wadu demo segregation si tamba no fala mi nal tamba wade de minisi mo fala o wawe porte de plainte e hore mawbe jiwo yo dundo laba nyama fo woni tamba woni wondo wo wondo legine si chrétien lo fala jombu de debbo juldo si tayi mo fala mo o jombay mo si tayi gorko juldo lo fala debbo chrétien ju sayi mo fala o jombay mo si tayi odo ko matchude di odo wona matchude di dundo alato matchungi alato a jombay mo fala da mo si on non debbo no fala bay da fala mo mawbe be si tayi on galdi on fotti kasudu o yaltale ka yase on fottanim alhamdullilah si tayi on fottanali mawbe be wawi bibbe mabbe kasudu dun don kadi ko goddungo kono sibe wala ha wo yalti ka yasi dewgal latoto sikki alato sikki alato hande sikki alato jango dun don ko latetedi ye teddo ko jama fo nana dun don yo dun don wona teddungal jama mbari bore gine no xame ngafan to wa mo woyem fe tambaha fe nanna tambaha maria fe nanna tambaha maria fe mfaxi ben xawé na fi nam mo ma guiné nene ummu hawawa nana ya bukhi tambara tamba ya bukhi mo ma guiné la ya bukhi borira nene ummu hawaba mo magine nene ummu hawa ba ya bukhi tambara tamba ya bukhi nene ummu hawa ba menna tamba chrétien nana tambara nene ummu hawa musulman nana abarke muslimé famille nan kuy a ha famille bir musulman nan le bir akolo fo mo meri rafé kren nan famo sariya din l'islam fin de nam fala mukhabokhi sariya fin de nam fala ha mona nyere din l'islam ma muslima sariya din ma muslima guiné muno ma doxode kafir de homa ou bien chrétien de homa ha salima ratubi araso muslima ya din kuy muslima sariya nam fala ha merinde chrétien nara abara mini khadi gine khafira ou bien kafir nara mun non dina yo abara mini khadi gine khafira ha sali khadi gine wa ma khoma fa wa ma khadi gine khoma ha sali wa ma fi fama atan khame lan na khaso muslim ya dine sinde kharatu bi kharaso dine beni ri khadi gine fama muslim dine nanam falakh muhammad muslim ya dine nanam falakh mais la Guinée mouna nyere fe muslimé ya dini madi la Guinée c'est pas une république islamique la Guinée muslimé nambo la Guinée bokima mais la Guinée muslim bokima pays laïque nara laïcité afala fe kanka mo nyere ma manka say loi na hansa am mo nyere ma nanama pays laïque nana la Guinée da donc la Guinée musulmane bokki mona la Guinée radi
misli medine nana mais misli mo bokki mo na la kinera ko bil khana ta polos pay like nana la kinera laïcité donc khassal misli medine nanu na la kinera khassal misli me bokki nanu na la kinera la guiné misli me sadiya na kha khamiri na khana yene rama aw kha merina ramu do kho khabeta sende o be amu gibe do kho sende aw kha bombo lu khusu ya kene ha miri na kam bana gine do ko be bar do ko xameta ha na yene raba o kha mabu ya ko geme to go kha mabu ha fa kha ha na ka ni fa u be kha na kha na mu nyeti ay kha be le xibulu alquran na muslim ya dine na nam fa mais pourquoi na mu nyere fe la gine ko pourquoi na mu no ma appliquer de la gine ko parce que mu na muslim dine ya muslim bokhi mu na la gine la république islamique mu na la gine la donc nana tori namuno ma appliquer de la Guinée quoi maintenant la Guinée pays de laïcité na iradi Guinée bara ya bu chrétien dira iradi Guinée bara ya bu kafir dira namu namuna dini khassalino me khadi Guinée sensibiliser de ha babé quoi e kha sensibiliser ala ko akane mu na khame fema khafema khassalino me khadi Guinée sensibiliser de babé quoi i bara sensibiliser bara ti il n'y a pas de problème. Amoun de ma koma. Mais Rassali, il va y avoir un bon rena. Marafa y sembe barabo. Il va y rende li. Hane na ha militande a falafé a fori na mouti. Aya ha doko. Ane ha y bore doko futira. Ne bara militande ma. Ne doko mane futira de. Fori tim fori mouti y doko mane futira. Zam marido re ha gine mislume nara. Ka e Moussa Dadis Camara anga mislume nara. Pourquoi on m'a fait la même chose que je fais? Maintenant, Mohan Salié Dine Naha. Khassali Guinée Naha Mou, Guinée afin de Guinée, afin de Ramira Naha Mou, Nyefou, Alain Soloma Saran Souto. Fouré n'a une décision de Tongouma Nakani, mais ça, les Dime Dine Naki. Mais Mérin Naha Mbara Nyefou, Alain Soloma Saran Souto. Hané Mbara Militant de Afori Mouti, Aïra Marié. Hané Mbara Sika Komini. Commune Yoma, la Guinée Koui. Ibarsiga, administration publique, état civil, la Guinée Koui. Aïwama Findif, Aïwama Dorfe, Ibore Homa Fouté, Fouti Nana. Ne Fourier Tio, Ne Fourier Moutimba. Mangasai Nase Mahorima. Est-ce que Iwama Yihoma, Iyo Wama Homa? Est-ce que Iwama Yihoma, Iyo Wama Homa, Mangasai Nana Mahorima? Donc maintenant, hay bara na ma khori ni titum iwa ma khom may wa ma khom may do ko mani futira fori te imuti ne do ko mani futira droit yo mu na fori yira i ri tsiga i ha imposer ane mu i bor do ko ma futira khasali e khame kha guiné na khame kha famille na imposer guiné no ma plainte sa di khame kha famille fat pour la ségrégation khasali guiné na kha famille imposer Amouraba, je ne ma plainte de Guinée, je famille Fari. Mais ça, je suis Maria plainte de Guinée. Famille, famille, moti. La Guinée, c'est la voilà, loi fondamentale de la Guinée. La Guinée, constitution, c'est la Guinée, a interdit nanara. La Guinée, loi fondamentale. Donc, je tamba Moudinia. Tamba non ma plainte portée de Nene ou Mouraba, ha famille. Et contre hasta mba mudinya anoma plainte portée pour la ségrégation et ça la fallait aina ségréguer fini c'est une ségrégation hasta mba mudinya anoma plainte portée nen umuhawa kha famima donc on kha fait fin di kha khilira on kha khili manyeri on kha ko wala on kha nyeri di la Guinée loi fondamentale nanana code civil nanana code civil état civil ça veut dire nanyerma la Guinée quoi république islamique mon la Guinée radi pays laïque nanana la Guinée là faut bien xana comprendre din musulmane nanana on bien majoritairement mais musulmane ça veut dire mon yere fe la Guinée quoi khassali wonna na afala made ko abisle menan na wonna khassali wonga ko ala yara on fe dira ba ma lagine ko munara ba mayo donc me wo nyere fe wule na fam fari
La Guinée voulait n'en la faire la Guinée d'Ima. Alpha Condé n'en en voilà. Plus le mensonge est gros, le plus le Guinée vole le pouvoir. Il va râteau. On y a fait n'en voulait n'en faire quoi. Balbore est un nom en en faire la déroubé. On a fait tamba, on a fait n'y a rien. Mais on a fait tamba, on a dit n'y a pas plein de portes de n'en ou n'en ou hawa ba, ha famille. Contre. Et non, on a fait des guélis. Voilà. Alors, on a fait un peu de temps, on a fait quoi. Mbadi malo ne kuma madinga kanna na ne ka kuma amba amma muso ane amba dima tamba tamba tendeno wole jarabene amma muso nene ummu hawa bala tamba ye chrétien ne di nene ummu ye islama le di ambara la guiné agni jamana mendi. Slama jamanate, slama le lieu la Guinée kono. Slama kasia la Guinée kono, mais slama jamanate la Guinée di. Slama jamanate la Guinée di. Slama le kasia la Guinée kono, mais jamana menye la Guinée di. Laïcité nan nan la Guinée la. Jamana laïque le quoi. C'est pas république de islamique, c'est pays laïque. Donc, anna slama saria. Anna slama saria. Ne slama le dimboso de slama le di. Anna slama saria ko ko slama moso muslimé moso o te sika si chrétien moso ko e ki chrétien ke ko slama moso te sika ka si kafri ko fo yala tobi fo lo kala do slama ya ne kafri ke matobi ou bien chrétien ke matobi kala do slama ya anna slama dina ko ka te sika muslimé ka slama moso fro ka te sika fro ka fe anna slama dina ka wole fo. Mais anna la Guinée sariako ikira kafri diba ikira slama diba ikira chrétien diba ikira si aussi di ni jarabine muso la muso jarabine la muso bara santane sagi soro ile bara santane sagi soro famille son la famille ma son na le union ko aldi nyon fo anna saria ska wole fo anna saria civil ka wole fo maintenant slama ya saria ye couvrir le di anna fama bunda anna mansala saria anna état civil la saria la Guinée constitution saria men savena ko woye couvrir les fanandi ko ni il est de musu yibulu obe dinke yibulu il est dinko ka es chrétien ke le fait il dit musu jira bin chrétien la obe il dit musu jira bin africain la ni ya fait ko lu kana furu nyoma. Car il est bien sensibilisé, il est bon connu là. Il est si bien sensibilisé, Kakuma est bon connu. Aïe, Maria s'est outillé à Manyama. Ou bien il est sensibilisé. Mais ni il est si bien connu là, il est si bien sensibilisé. Problème, il était marié là. Parce que ni bien qu'au cas fait, Maria s'était, état civil était dans la son n'a qu'à forcer Fourouki. Mais ni le massi, il est massi qui est bien sensibilisé. Il a bon connu là. Il dit que la binique est la quête de la binidine. How will Bora Kenema? Ha Mansal Tulu Blani Woro? Wuluaraki la Maria Sikela? Il est nasona, amason, nasona maso fru odike. Fasona fama son fru odike. L'état civil de Fru Sidi inignante. Parce que Anna, état civil, saria le kafo. Anna Jamana, saria le kafo. Anna, constitution le kafo. Ko la Guinée est pays laïcité libre. Maintenant, ni ne qui le ko fruté dans laquelle habite, ni que la famille qui le kate que là, que est moussoude si ka plainte là que la famille ka, ka ibra ségrégation ka là. Ni moussou la famille qui le ko fruté dans la benakate dans laquelle là. Que de si ka plainte là moussou la famille ka, mais frou qu'on est dit. Ça n'y a le kan fou. Donc, anna la Guinée saria le kawfu, motesi ka fosboro. La Guinée saria ka menfu, ambebe makani, wole la tamala. Bibi, nene umu hawa ba la famille ko, ko imasombi, imason sini nene umu hawa esigi tambako. Tambako ka ye mousoufe, mousou ko ka yafe.
Nene umuhawa ka decision takawa tamba barabara samflabo ana la famille tinyonka. Aya kilile aya la famille kilile téléphone na à la famille ya kilile téléphone na ni kamani ni kanene umuhawa yemendo aya fulani ya ninye ya ne me atayo ofula à la famille. Muna à la famille le maso ale la furula. Maintenant ale jara mini ke la ke jara minala. Maintenant bibi wole boni kene ma wole kera balawudi wole problème les réseaux sociaux kantenya. Maintenant, nous avons un peu de temps à faire, nous avons un peu de à la famille de Siki imposée comme mineur l'a dit, que Tamba bara a hakili maïlema, a bara manipulé. Mais nous avons un peu de temps à faire, nous avons un peu de temps à faire. Nous avons la famille Sonna, à la famille Masson, Furu de qui? Nous avons la famille qui a imposé le droit de Tamba Bourou. Aye plainte portée nene umuha wa la famille contre kafuka ibara ségrégation kala ki ibara ségrégé sariale kafu mne mafo tamba ye plainte la nene umuha wa la famille kama ufodi mais adesi ka plainte la nene umuha wa la famille kama parce que c'est une ségrégation ni motif verbeye même maso même kake maso furu la wo yekubredi ou bien tamba ka kuleke comme menka tegensoya ke menka ira kafufuru maintenant la sikila woko waya dama me ko tamba la religion koso ou bien tamba la ethnie koso ou bien tamba la d'origine abone yoro menna o koso famille te sika imposer ko fruit ke ça sera pas possible atebe mbi atebe sini famille sonna famille maso obligatoirement furu dike furu di sabati avant di sabati Nika ye musoka ato mafalien kake Esther di. Bibi musoto ye Esther le dat. Atre to ye nene umuhawa ba edi. Nene umuhawa ba. Ato tere ye wole di. Bi musobara ato mafalien kake Esther milimolo di. Esther milimolo ato le odi bi. Muna anana falafo koni mason. Koni kukini menye furula koni nubari haramu bi. Mbari haramu sine anti la kuro bi anti la kuro sine. O sababu ya bara muso puse. Kayere to ma fali yere ka la religion mo fali ka to ma fali ne ka ni tamba ko ni dit e mfalu alta hakili soro alta fala nene umu hawa la famille ki hakili soro wokoma ya ma fali di nyama lu ni koro le guiné sadia koko tamba da furu bi ada furu si ni commune i wara commune matoto letre ni commune matoto trema son ka furu si de ne nyonte droit est tambabula ay plainte la commune matoto moluka ay plainte la matoto merka obligatoirement yo tribunal la ka tamba de domasse andala musu ka de domasse ni trema furu si bi mais comme ibara furu si de problème tar commune son la commune maso de furu si tamba na son la tamba na maso de furu si tamba fa son la tamba fa maso de furu si nene umuhawa ba na son na amaso de furu si nene umuhawa ba faso na amaso de furusi la guinée sariya ne koko ka furusi donc wole ble de quoi ni ya fe din kana marié ani modo kana marié yi di sensibiliser le bon kono la dina ye kuma ye le bon kono yi da kuma kambe de pe din nya wati le ya jobo ye jonyima do le ya di ka son dama pour adila kuma me nya menna men ni wotambira ite si fusi la Il dit Nadi. Et Nico qui dit Tadi, il est la décision de Nadi. Mais à tes fous, il te sait qu'imposer quatre fous. Ou t'es bien. La Guinée s'est réalisée quatre fous. Donc, coup mené à Dame et à Ninete, faut m'en hakili soro. Parce que Tamba est barré là, médias là, réseaux sociaux comme, ou les Tamba t'a qu'il y a une polémique. Mais sinon, si la maman aussi a mené fourni chrétien, la Guinée connaît. Si la maman aussi a mené fourni kafri, la Guinée connaît. Donc, mon amour est un réseau social. Je suis un peu plus de la vie. Et donc, on a décidé de faire des choses. Je suis un peu plus de la vie. Beaucoup de gens qui sont là, vous êtes choqués. Vous êtes... C'est une surprise pour vous que moi je vais parler ça. Vous êtes choqués sur ma, par rapport à ma intervention parce que nous sommes musulmans et la culture africaine. La culture, c'est une chose. La religion, c'est une autre chose.
Mais la loi, c'est autre chose. Ces trois sauces, on ne doit pas mélanger tous les os. On ne doit pas mélanger les trois là. Notre culture africaine, c'est autre chose. La culture, c'est autre chose. La religion, c'est autre chose. La loi, c'est autre chose. On doit faire différence des choses. On doit mettre la différence. La culture, la religion, la loi. C'est totalement différent. C'est la raison pour laquelle c'est plus grand par rapport à la compréhensivité d'autres personnes qui ne peuvent pas le comprendre pourquoi je parle de telle manière. Pourquoi je fais cette intervention? Pourquoi je parle à telle manière? C'est difficile à comprendre. Mais ceux qui comprennent la loi, ceux qui comprennent la réalité, la signification de la laïcité, ceux qui comprennent la République de Guinée, et ils savent très bien ce que je dis, c'est la vérité. Ceux qui ne comprennent pas le contexte de la laïcité, ceux qui ne comprennent pas le contexte de la loi fondamentale de la Guinée, ils ne peuvent pas comprendre. Ils vont aller avec l'émotion parce que nous sommes musulmans, nous sommes musulmans, nous sommes musulmans. La religion musulmane a dit non, 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 non. Donc, la religion musulmane, si tu voulais appliquer 100% la religion musulmane, la Guinée, ce n'est pas un pays musulman. Il faut aller dans les pays musulmans, là où il y a des charia là-bas. Mais la Guinée, c'est un pays laïque. Il faut qu'on respecte la laïcité. Donc, ça, c'est une obligation pour tout le monde. Si je ne veux pas que cette situation de la famille de Nene Oumouhawaba qui est arrivée à la famille Nene Oumouhawaba, si je ne voulais pas que ça m'arrive, ou bien si vous ne voulez pas que ça va vous arriver, il faut prendre les précautions de maintenant vous éduquer votre enfant pour que vous sensibilisez votre enfant, pour qu'il puisse vous comprendre, il puisse vous écouter l'avenir demain. Mais sinon, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien, absolument rien, si votre enfant est opposé, il dit que je suis tombé amoureuse à telle personne, vous voulez vous, oui ou non, il va se marier. Bonjour la sœur Kaba, comment allez-vous? Et la famille, ça va? Merci beaucoup. Sincèrement, c'est la situation de la Guinée. La situation de la Guinée est très complexe et très compliquée. Mais nous sommes là pour parler de la laïcité de la Guinée. La Guinée, c'est un pays laïque. Les gens ne comprennent pas des contestes parce qu'aujourd'hui, il y a une polémique qui est là pour le mariage des Bamba. Tenez-nous. Félicitations, Bamba. Je félicite les deux épouses, le mariage de M. Bamba et Mme Bamba et Mme Tendeno. Esther Tendeno, parce que désormais il s'appelle Esther Tendeno. Donc c'est une félicitation pour les deux couples, que Dieu porte les deux couples, que Dieu les donne longue vie à deux jeunes qui se sont mariés. Que Dieu leur donne la santé et la prospérité et des progrès et avec succès.